Hier, j'ai mis le. J'ai vu, ouais, je suis en train de voir ça. Système du monde des 12. Tu peux l'afficher après à l'ouverture du stream, ça? Ça fera l'intro bonjour très rapidement. Je sais pas comment, à vrai dire. Je Bah, vais chercher en attendant la pause. quand tu télécharges l'image et qu'après tu Ah affiches voilà, une il image faut en que je stream. télécharge l'image, ouais, je crois. Alors, système du monde des 12. Donc, ça, c'est ça. La choucroute. Et ça, c'est Voilà, là-dedans. D'accord. quand on a commencé à jouer, on est arrivé dans l'incarnam. C'est la dimension où s'incarnent les âmes, en fait. Ah, d'accord. Je cherchais deux mots, Incarnam. puis moi, je ne comprenais pas. Ok, maintenant, c'est plus clair. Voilà, et On va où? on va aller en moins 2, moins 5. De pas très loin. Quand on a quitté Incarnam, on est allé directement dans le plan matériel. Donc tu vois là où il y a plusieurs systèmes Là. solaires et notamment le système du monde des 12. D'accord, donc on a percé le plan astral, on a percé l'éther, on a percé tout le C'est reste. ça. Ok. Alors après, dans l'Inglorium, donc c'est la zone où il y a les dimensions des différents dieux. Ok. Donc le dieu Kra, le dieu Ekaflip, le Ouais, ça je vois à dieu peu près ce que c'est. Ouais. sacré. J'ai vu Voilà. deux, trois animés sur ça. Deux, trois épisodes, pardon. Le plan astral, c'est. Alors attends. J'aime beaucoup la gueule du vieux en bas à droite. Le plan astral, c'est la dimension des rêves. Ouais, Donc c'est oui, là où il y a, j'ai. par exemple, les Ouais. songes infinis. Et Ouais. c'est là où il y a les dieux mineurs, entre guillemets. C'est là où habitent les dieux de l'almanax. Ok. Après l'éther, c'est quoi l'éther déjà? L'éther, c'est le noyau du cosmos, là où se rencontrent le Wokfu et la Stasis. Et après, la choucroute, Oui, c'est la ok. dimension des démons. La choucroute. Oui. Oui, c'est la choucroute. Je sais pas. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Ok. Tout en bas. Et quand les âmes meurent, les âmes qui s'incarnent dans l'incarnam, elles meurent. Elles sortent par l'externam. D'accord. L'externam, c'est la dimension des morts. Ok. Et Ilysael, donc c'est un héros qui empêche les morts de sortir de l'externam. Je sais pas si c'est assez gros sur le live. Ok. Ah non, pas du tout, non. Ah Attends, ouais, j'ai bon, pas on va le activé. mettre. Ah, non, mets-le en grand, hein, tant pis, Ah, c'était bon, pour ok, normal. l'explication. Hop, Et oh fuck. Attends, pause. du coup, on a dans le plan matériel plusieurs systèmes solaires. Oui, quand je disais galaxie, je pensais à système solaire, pardon, excusez-moi. Oui. Plusieurs systèmes solaires qui sont dans des sortes de bulles, parce que c'est des bulles dans des bulles dans des bulles. Bulleception. Oui, c'est symboliser des galaxies, mais c'est un peu notre comme notre univers à nous, quoi. Enfin, c'est Ok. là. Et tu remarqueras que le cosmos a la forme d'un œuf. D'un œuf, d'un Voilà. dofus. Exactement. Alors, maintenant, une question. On joue à Dofus, mais il y a le jeu parallèle ou suivant, ou je ne sais pas quoi, qui est donc Wakfu. Oui. C'est quoi vraiment la différence entre Dofus et Wakfu dans l'histoire? Donc, l'ère de Dofus se passe environ vers l'an 640, donc c'est notre époque à nous. Ouais. Et Wokfu se passe 300 ans plus tard. Donc c'est D'accord. toujours la même planète, toujours la même histoire, Ah, mais c'est quand même les c'est mêmes pas lieux. les mêmes D'accord. époques. Ok. Oui, Je c'est comprends. toujours la même planète, Voilà. mais c'est pas Ok. la même époque. Et surtout, bah, la géographie a changé, quoi. bon, après, ça, c'est normal avec Mais les oui, années. ce genre, tu retrouves Oui. pas les mêmes zones aux mêmes Mais endroits, c'est un peu plus, enfin, un oui, c'est peu plus normal. bizarre, ouais. Globalement, aux mêmes endroits, Mais mais en fait, durant ces 300 ans, il y a eu ce qui s'appelle le chaos d'Ogrest. En fait, c'est un ogre qui a tellement pleuré qu'il a inondé la planète, en fait. écoute, ouais. Mais en même temps, elle est morte, la pauvre. Sa Et copine, donc, elle est décédée. oui, la poupée d'Atura. Et est-ce donc. que le nom du jeu Wakfu a un rapport avec ce que je vois comme étant l'énergie Wakfu? Oui, parce que dans le jeu Wakfu, il faut se servir du Wakfu
pour recréer la vie, en fait, pour faire des plantations, que je régénérais des monstres, etc. D'accord. Genre, en gros, dans Wakfu, tu peux vraiment interagir avec la géographie. L'écologie. C'est en fonction du nombre de monstres qu'il y a sur la zone, en fonction du nombre d'arbres qu'il y a sur la zone, enfin, en fonction des ressources. On compte les monstres qui ont des ressources. Tu peux avoir des bonus, c'est-à-dire, bon, ben, si t'es à peu près dans le bon taux, parce que bon, les taux ont été imposés hein, par le jeu, genre, je te dis une connerie, dans la première zone, il faut aller pas plus de 100 tofu. Sinon, ça dérègle un peu le système et c'est le bordel. OK. Et en fonction de ces jauges, ben, tu gagnes des bonus d'XP, si je dis pas de bêtises. Et si tu œuvres, on va dire, pour la nature, c'est-à-dire s'il y a trop de tofu et que tu décides d'en tuer pour faire baisser la limite, tu vas gagner des points de Wakfu parce que t'es sympa Ouais. avec l'environnement. Et si par exemple, bah, tu décides de raser complètement tous les arbres, bah, tu vas gagner des points de stasis parce que bah, t'es un connard. OK. Et en gros, tout le jeu se base sur cet écosystème. Mais tu peux faire un jeu comme à la Dofus, c'est-à-dire tu prends tes personnages, tu vas taper des monstres, tu fais des donjons et basta. OK. Toute l'économie du jeu, c'est super particulier, vu que tu peux planter toi-même certaines ressources, tu peux décider soit de ramasser la ressource, soit de prendre des graines. Et ces graines, par exemple, si je vais prendre une graine de blé, je peux planter du blé un peu partout dans le monde, à des endroits spécifiques quand même, attention, parce que par exemple, tu vas pas planter une plante carnivore en haut de l'Everest. Oh, quel dommage. Ben, c'est à peu près le même délire. Et tu as le super pouvoir, par contre, et ça c'est trop trop cool, de pouvoir planter beaucoup de choses dans ton havresac. C'est vrai que dans Dofus, je trouve qu'il sert strictement à rien. C'est vrai. Ouais, Dans Wakfu, c'est tu trop peux faire bien. plein de choses. Si tu peux avoir dans ton havresac, ben, un petit côté jardin pour pouvoir ben, planter des plantes, des arbres et tout ça, mais qui Mais c'est poussent pas... beaucoup moins vite que dans la réalité. Il faut quand T'es sûr même. que c'est pas possible de ça sur Dofus? Ah, Non, sûr et c'est pas certain. possible. Non, Et t'inquiète pas, si même on trouve niveau une de sang idée. sur Dofus, on passera sur Non. Mais parce Quoique, que Wakfu est gratuit. de ce que j'avais vu sur Havresac, c'est qu'on pouvait le personnaliser et qu'il y avait des sortes de plantations aussi qu'on pouvait faire. C'est que C'est du de la décor en déco. fait? C'est que de la déco. Ah merde. Ouais. Alors que dans Wakfu, bah, t'as le côté déco, mais t'as aussi le côté super utile. Ok. T'as, je t'ai dit, le côté jardin, mais t'as aussi des éléments pour pouvoir crafter toi-même. Genre, tu mets une scierie et puis tu peux aller faire des baguettes. Je dis ça comme ça, hein, c'est pas les bons objets, Ouais. mais que t'aies l'idée en tête. Donc ouais, Wakfu est beaucoup plus particulier que Dofus. C'est-à-dire que plus tu vas taper avec un sort, plus il va prendre de niveau. Et donc tu peux te spécialiser comme ça. Enfin, beaucoup de choses dans Wakfu, hein. Des trucs Ouais, très, tu peux très enlever l'image. particuliers. Mais par contre, le petit point négatif que je donnerais à Wakfu, c'est que je trouve, désolé Ankama, mais il est assez buggé. Ouais. Il y a des trucs qui sont vraiment pas nets et il y a des trucs qui mériteraient vraiment Mais qu'on passe un si, fais une énorme coup de balai dessus, réunion. quoi. Genre En même t'as temps, ils sont des. deux sur le projet. C'est vrai. Et c'est vrai. Oui, je sais que c'est vrai. Tu Ok, me l'avais tu dit. peux enlever l'image, Eric, hein, c'est Ok. bon. C'était juste un. Bon, moi, je suis dans la mine, je mine. Ouais, Je suis dans pareil. la mine. Logique. Et donc, Ok. ben. Intro? Quand même, après ce petit lore, bonjour à tous, ici Vincent Studio pour du Dofus, hein, vous l'aurez peut-être compris, j'espère. Avec moi toujours les mêmes, hein, Loulou, Imagiro et Jake, bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Ok. Et on est Ouais. parti aujourd'hui pour faire pas mal de donjons normalement. On va commencer par un chine-larve. Oui. Ensuite, peut-être. Le Bulbic Brother, et pour terminer, où on verra en fonction du temps évidemment, le Cannibal Ibil. On doit le refaire parce que ben Loulou il a mal fait son emploi du temps. Bonjour. C'est drôle. Bref, ben quand vous voulez. Tout le monde est à l'entrée de la mine? Non. Non, pas moi. Moi, je suis On peut pas devant. Non, TP, j'imagine. c'est le seul Ah donjon où on peut putain. pas TP. C'est quoi le Non, pas zap le le plus seul, mais un proche? des rares donjons où on peut pas Moins TP. 2, moins 5. Ouais. Alors, est-ce que vous avez tous un œuf de larve? Normalement, Ouais, on en a tous un, sûrement. tu nous les avais donnés. Hein. Oula, alors attends.
Je Si regarde. t'en as pas, Jake, je t'en passe un. Ouais, c'est bon. De l'arbre doré. C'est dans les objets utilisables. Ouais. Non. Hop, t'es sûr? J'ai de la cervelle de larve. En fait, pour entrer dans ce donjon, il n'y a pas besoin de clé, il faut... Pardon, t'as, oui, œuf de larve doré, pardon. Ou dans ce cas, oui, j'en ai 4. Ah, t'en as. Bon, okay. Pardon, 4 pour moi. Il n'y a pas besoin de clé, il faut un œuf de larve doré. Il faut double-cliquer dessus pour avoir une larve dorée à côté de soi. Waouh, une larve goldée. Ouais, elle est shiny. Oui. Donc on rentre dans la... Viens dans la mine, tu montes. Tu peux ramasser du cuivre si tu veux. Oui, exactement. Je vais faire ça. Oui. Thomas l'a pas ramassé. Ah. Oh, on met la larve maintenant, là? Oui, vas-y, tu peux la mettre. Alors, attends. Si, j'ai ramassé ce qu'il y avait sur mon chemin. Bah, il en reste, hein. Eric, ah, il se régale. Oh, hier, j'ai voulu faire profiter de l'XP, mais c'était l'enfer. J'ai dit, vas-y, je dis. Ça m'a gonflé. Je continue. Putain, y a plein de fer, Thomas, mais qu'est-ce que t'as foutu? Et j'ai ramassé ce que je pouvais. Hein. J'ai pris 6 cobalt, 26 fer et du bronze. Je peux pas encore ramasser le cobalt. 76 bronze. Oh, un bien. J'arrive. Putain. Ok. Juste, on a passé un site pour pouvoir voir les stats de Splatoon 2. On est un truc de folie. Oh god, no. Oh, Père Noël. C'est pas la sous. Je vends des bières pas chères. What the fuck. Ah, mais les pires escrocs du monde, ceux-là. Bon. T'as 2000 kama l'œuf de l'arbre, dis donc. T'as pas ta dragonnette, toi? Oui, je suis pas dragonnette. Allez, on clique sur les barreaux. Ce bruit quand ça se déplace, les larmes. Et on est parti. On est déjà dans le donjon là, d'accord. Ouais. Okay. Mais... Bon, on essaie de faire quelque chose. Il y a une particularité. Il va falloir se diviser en deux. Et là, Ruby. Deux groupes. Écoutez... Sapphire for Divinity. Ah, ça va être en rapport avec la couleur des larves, c'est ça? Pas du tout, tu verras. Il y a juste deux chemins parce que t'es obligé de prendre deux chemins. Non, ah. Bah, je me prends la bleue. Eh ben, prends la bleue. Mais elles ont 10 milliards de vies? Tu déconnes, elles ont 420. C'est pas du tout 10 milliards. C'est pas des larves bleues, vertes et oranges, c'est des larves saphir, émeraude et rubis. Elles sont mieux. Oh, la barbe. La barbe. Je préfère dire ça que qu'autre chose en ce moment. C'est bien. Ouais, j'essaye. Hein. Combien là? Ah, après, mais ah, j'avais trouvé un truc sur internet. Voilà. Tu veux parler de... Non. Tu me remets ça en tête, je te jure, je te bute. Je sais même pas à quoi elle ressemble. C'est nul! Encore une fois, t'as trouvé une nullité! Je sais pas comment tu fais, mais. Avec des moutons? Ah ouais, non, mais c'est insupportable hein, de trouver des merdes pareilles. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas comment tu fais. Ah oh, putain. C'est incroyable. C'est... c'est la nouvelle vidéo de Seb Lafrite. Ah oui, d'accord. C'est con parce que franchement, les vidéos de Seb Lafrite sont excellentes et ils t'expliquent plein de trucs. Oui. Ah, mais je suis d'accord, hein. C'est juste que là, c'est de la merde. Il y avait juste un petit passage et j'avais juste cette musique-là que je connaissais pas, du coup. Ne tape pas la larve saphir, s'il te plaît. Merci. Non.
Ok. Je me mets là. Très bien. Et je vais commenter. Ok, cool. Non, enfin, c'est mon personnage, moi je m'en fous. Hein. Et il y a encore les flics. Où sont les flics? Fais la police. Et là? Ah oui, c'est, je pourrais dire, une insulte que personne ne pourrait comprendre. Alors, espèce d'orchidoclaste. C'est joli, orchidoclaste, non? Non. Ça veut dire casse-couille. Jake, on va en haut? Allez, vous allez en bas. Comment tu fais pour aller en haut? Bah, tu cliques sur le soleil. Le petit soleil au oui, sol. Donc en gros, on a escaladé à la verticale le poteau, là. Ouais. D'accord. Mais toi, sur la dalle... Ah, putain, c'est vrai, pardon. Donc là, en fait, pour pouvoir continuer, il faut être sur une dalle et activer le levier. Hop, voilà. Allez, on y va. Allez, Jake. Avant que ça se referme. La clepsydre. Ah, mais un peu, hein. Et là, on va faire un groupe chacun. Et le nôtre, il est pas là. Okay, en gros, le nôtre, il est pas là. En gros, on est comme dans deux sous-instances. C'est le donjon qui se divise en deux. Mais nous, on est bloqué dans le donjon, ça y est. Pourquoi? Mais non, c'est une blague. Mais il était caché derrière le mur. Il voulait pas qu'on les bute. Genre, non. Nous sommes les larmes et nous ne voulons pas mourir. Oh, qu'est-ce que c'est que cette insulte? Faut ton cul! C'est désigne un sodomite médiéval. Ah oui, quand même. C'est précis comme idée. Pourquoi médiéval? Je sais pas. Ah, j'aime. Plutôt plus de précision dans c'est au temps médiéval. Tu m'as pas vu. Mais t'as fait rater le châle. C'est pas grave, on le fera plus. On en fera dans les autres salles. Un faquin, ça on connaît un peu. Je faire. Ah, c'est... Le foutriquet. Ça aussi c'est connu. Oui. Bon, les olibrius, hein, les fameux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vieilles insultes? Un coq-bear. Je crois que ça fait rire Colin. Je crois qu'il m'entend dans la jambe et il est mort de rire parce que. Parce qu'il aime bien les vieilles expressions comme ça. Un écornifleur. Oh, sérieux. L'écornifleur est celui qui cherche à vivre grâce au bien d'autrui. Tu pas? Non, je le tue pas. Et on l'appelle aussi ton pote le gros rat. Ton pote le gros rat. J'aime beaucoup Topito, parfois ils sont très drôles. Ah, putain. Un pleutre, un crapulard. Une fleur de nave. Qu'est-ce que c'est que ça? Mignon. Oui, oui, c'est ce qu'ils disent. Oh, une fleur trop mignon. Et non, en fait, fleur rappelle la niaiserie. Nave, quant à lui, est un dérivé de navet. Alors, si on t'appelle fleur de nave, tu es en fait un sale navet bien niais. Bah, c'est mignon. Oui, ça reste mignon comme insulte, c'est vrai. Bah, c'est ça, c'est un peu du style, il est bien brave. Un chatte-mite. Je peux pas. Un aliboron. Quoi? C'est quoi un aliboron? Un aliboron peut... qui bouge. Attends, je vais jouer parce que sinon mon Thomas il va m'insulter. Voilà, j'ai joué. Alors je disais, un aliboron est quelqu'un qui croit tout connaître alors qu'il ne connaît rien. Très bon mot à utiliser quand ton pote essaie de t'expliquer ton métier. Ah, les aliborons. Salam alaikum, y'a la famille, y'a les locaux. Oh, Mitesh. Mais on s'en fout, bordel. Ah, ils sont là. Ah, bonjour. Un pâte pelu. C'est un gros mot pour un manipulateur. Bonus FDP. Qui en premier? Mais apparemment, lance d'Ophus argenté. Quoi? Non,
dans le chat, en dessous, il y a marqué Fiara lance Dofus argenté. Oui. Ben, on l'a tous, le... Ah non, moi je l'ai. Mais en fait, ça lance l'effet au début de combat. C'est quoi, l'effet? Si j'ai moins de 20% de ma vie, je regagne 20% de ma vie. Bêta, pas moins... Ah, ok. C'est ça lance l'effet, mais ça le trigger quand t'as besoin, quoi. Je suis trop trigger. Alors attends, c'est ça, puis ça, puis ça. Je me suis trompé. Je vais me mettre là et. Wheezy! C'était quoi ce bruit? Je sais pas, ça fait blip 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 blip. J'aurais dit un jackpot. Un jackpot, ouais. Je suis d'accord. Oh, dommage. Un salisson. Oh putain. Bon, j'arrête. Est-ce que le chaton va faire chier le chat? Non, c'est bon. Non, parce que je l'ai mis là-bas exprès. C'est vrai. Bien joué. Bien joué, bien joué. Attends, je commence à réfléchir là, sur le plus. Hein. Mais c'est bien. 70 niveaux plus tard. Mais c'est pas grave, c'est plus tu t'y investis et mieux ça sera. Enfin, plus ce sera entre guillemets simple quand on va commencer les donjons un peu casse-couilles, quoi. Parce qu'il y en a, hein. Oui. Mais il y en a, oui. Eh, hey, on se redivise en deux. Allez, on retourne en bas avec Tomo. Jake, on va où? Oui. Oh. Pourquoi il y a une... y a un ver solitaire là? Bah, il y était aussi tout à l'heure. C'est où? Ah, je l'ai pas vu tout à l'heure. On n'attaque pas le truc, non? Ok. Pourquoi ça s'ouvre pas? Faut pas mettre un objet. Ah non. C'est bon. Il y avait pas une histoire comme ça avant, qu'il fallait mettre une peau de larve sur une certaine case et tout? Ça semble, ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Oh, quel emplacement. Oh, mais ça. Fasse le châle, Tom. Je m'en fiche. Il a l'air vénère, hein, aujourd'hui. Je sais pas quelle mouche l'a piqué, mais. Cette expression de merde, quoi. Je sais pas quelle mouche l'a piqué, mais. Ah, dommage. Par contre, je pense qu'il va falloir faire un châle sur le boss. Ouais. Parce qu'il y a une larve avec lui. La larve dorée, elle est que avec le boss. C'est ça. Putain, j'ai failli viser à côté. Tu vas changer de place, toi. Ah. Ouf. Ouf. Tu as fait une symétrie par rapport au tofu doré. Oh, sérieux? À chaque fois, il te moque. Une case. Une case. Allez, on continue. Attends, il y en a quatre là? Ouais, ok. Attends, c'est quoi? On est trop fort. Okay. Nous sommes les plus forts. Je sais pas quand est-ce qu'on se rejoint en fait. Après, je crois. Dixième salle, bis. J'adore être dans la dixième salle, bis. Aïe aïe aïe. Waouh! Ça fait mal. Je fais ce que je peux. Mais c'est bon, on est au boss. Ça, c'est fort. Hein. Pas du coup. Ça fait quoi si je clique? Non, ça fait rien. Pourquoi on peut cliquer sur la plante? T'es où? Ok. On est au boss. Faut faire quoi sur le boss? Je sais pas du tout. Mais il sort, on a encore bougé. C'est fou.
Il bouge parce qu'à chaque niveau, t'as l'amélioration de ton sort qui pop en mode coucou et qui remplace l'autre et donc il bouge. Ouais, c'est chiant. D'accord. Et où? Là. Faut pas finir à côté d'un ennemi. Et versatile. Oh, c'est chiant, versatile. C'est quoi versatile? Ne pas faire deux fois la même action dans le même tour. D'accord. Et pas finir. Donc ouais, c'est un peu chiant. Bah, toi, après, tu pourras faire un coup d'épée. Ah, mais non, tu dois pas finir à côté d'un ennemi. Ouais, faut pas finir à côté d'un ennemi. Hein. De toute façon, on va prioriser le challenge pour... Est-ce que le chat compte dans ne pas finir à côté d'un ennemi? Non, non, non. Ok. Mananas. Je voudrais faire un challenge sur la larve dorée, en fait. Attends, il y a un truc à cliquer, là. Oui, mais ça fait rien. J'ai cliqué, ça fait rien. Ça doit être... C'est pas une quête d'alignement? Non. Ça me dit quelque chose. Bon. Donc, ne pas finir à côté d'un ennemi et ne pas faire deux fois la même action. Et essayer de faire un challenge. Essayer de faire un challenge, ouais. Donc, en fait, on a trois conditions. Sauf s'il y a un challenge qui est un succès, évidemment. Évidemment, cela va de soi. Bon, ben... C'est parti. Est-ce que vous êtes... Prêt? Prêt. C'est quoi, ne pas terminer à côté d'un ennemi? Ouais. Oui. Et versatile. Et, attention. Oh! Enfin, élitiste. Élitiste tous les jours. Quoi. Donc, faut viser la larve dorée en premier. Ce qui risque d'aller un peu vite. Et pas deux fois la même attaque. Oui, oui. Et on finit pas à côté d'un ennemi. C'était imitable. Ouais. C'est le meilleur tour de toute sa vie, quoi. Plus de PM. Plus. Jake, la larve dorée. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il faut taper la larve dorée. Ah, j'ai cru que tu parlais de ma larve dorée. Non. Mais pas deux fois la même attaque. Deux fois, pas deux fois la même ouais. chose. Et ne pas finir à côté d'un ennemi. Alors, est-ce que ça peut le faire? Au pire, je la finirai. Enfin, ça dépend où elle se place. Hein, mais... Je vais m'arrêter là. Okay. Et merde. On a chié Blitzkrieg, quoi. Quelle surprise. Là, le problème, c'est que je peux pas la tuer. C'est pas grave, je la tuerai, moi. Ok, d'accord, excuse-moi. Donc, je vais faire ça. Comme ça, moi, j'ai une charge de tofu. Et c'est tout. Waouh. Bon, non, wow. On commence à en poser. Mais il joue pas. Dangereux. C'est moi qui le contrôle. Alors... C'est pas comme mon chat, c'est ça? Ouais, oui. Moi je peux les contrôler, mes invoques. Ok. Avant, tu pouvais pas rester le bordel. Hein. Enfin... Oh, ah. Flamish. Bon, ça c'est fait. Ensuite, ne pas finir à côté d'un ennemi et versatile. Bouge, bouge. Oui, t'inquiète pas, j'ai bougé. Ouf, oula. C'est quoi ça? Un peu trop de PA. Ouais, grave, ah, surtout avec versatile, ça devient débile. Il nous en a donné à nous aussi. Oui, mais c'est le problème, il nous a enlevé plein de PM. Moi, je peux plus bouger. Mais ouais. Et tu ne touches pas la larve émeraude en face de toi, Guillaume, parce que c'est une invocation, donc on s'en fout. Hein. Voilà. Et celle qui a la plus au centre de la map en haut, là? Ouais, ouais, bah elle, oui, tu peux. Si tu vois si c'est une invocation ou pas, après le... Genre en fonction ah oui, parce de la... que c'est plus petit. C'est ouais. ça, voilà. Non, attends, vois, je ne peux rien toujours. Faire. Je ne peux rien faire. Si tu peux bouger d'un PM déjà. Attends, déjà, ouais. tu bouges. Il est peut-être ta clé de PA, non? Attends. Non, c'est bon. Et si je suis là en diagonale, ça va. Oui, c'est bon. Tu oui. peux taper la larve ruby, oui. C'est quand on dit à côté d'un ennemi, c'est vraiment contact.
Contact, contact. Genre gauche ou droite. Je peux, voilà, je m'arrête là. Alors. De toute façon, je peux faire du tour. Ok. Ok. Et on va invoquer ça. C'est bon. Bli 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 bli. Au revoir. Bonjour, bonjour. Oh, bordel. Piou. Tu vas lui faire des dégâts d'ailleurs à la Chine larve. Pourquoi elle recule? C'est ton sort qui fait ça? Oui, c'est pour ça. D'accord. Ça, je l'ai pas fait. Non. Pardon. Petit innocent quand même de la part de la larve. Ouais. Tu tapes l'émeraude ou la... Ben, l'émeraude, c'est une invoque. Donc, Ah non, mais l'émeraude de droite. Oh, tu peux, mais ah, faut la tuer. Oui, tu peux. M'en t'en fous, wesh. Oh, voilà. Pourquoi j'ai perdu de la vie? Parce que la larve envoie des dégâts. Ah. Donc déjà, t'avances d'une case pour ne pas finir à côté d'un ennemi. Et ouais, tu peux faire bluff sur la chine larve, elle va prendre des dégâts. Bon, oh. Okay. Ouais, pas convaincant. Oui, bah pour l'instant t'as pas un autre sort haut toi, donc c'est le problème. Mais il a pas pile ou face? Non, pile ou face c'est terre. Mais c'est quoi son sort de zone là? Tout ou rien. Ah, tout ou rien, voilà. Et c'est tout parce que j'ai plus de PA. Nick. Nick la larve. Pourquoi t'as un tofu qui bouge et un tofu qui bouge pas? Parce qu'il y en a un, il est plus énervé que l'autre. Je sais pas. Je saurais pas te dire. Pif. Être méchant, c'est pas ouf. Ok. Ne pas finir à côté d'un ennemi. Bravo. Oh, ce qu'elle s'est mangé. Non, mais il faut pas qu'elle bouge. No. Oh non. Oh là là. Oh, une larve orange. Ouais, mais là, ça fait un peu chier. Hein. Merde, j'ai taclé. Ça a complètement taclé Guillaume. Et qui peut pas... Tu peux faire fougue, s'il te plaît, Thomas. Merci. Mm-hmm. C'est gentil. Comme ça, moi, il pourra bouger. Bah, tu pouvais pas aller là et attaquer non, le chinois. Non, pas envie. Non, c'est pas envie. Bu. Ouf. Pelotage. Eh bé. Tu peux faire tout ou rien, non? Ouais, fais un tout ou rien. Si tu veux. Ok. Mon pelotage, il est parti ou pas? Je l'ai pas vu partir. Oui, oui, il est parti, oui. D'accord. Non, c'est Top Cage qui l'a fait. Ah, Top Cage. D'accord, parce que j'ai mis un pelotage juste avant et bon, j'ai pas vu partir. Nick, on a gagné beaucoup de succès. Oui, quand même. Ah, c'est très bien tout ça. Beaucoup l'XP là. Mmh. Ouais, Jack in 70. Mmh, 71, oui. Green. Ouais. Et on clique sur les barreaux là-haut, c'est ça? Attends, oui, faut quitter. On peut quitter? Ouais. Oui, oui. J'ai peur maintenant, hein. Ne pas sortir de ta chambre! Eh ben, c'était facile. Du coup, faut aller voir Patakès. Qui a Astrub? Non. Non, non, il est en 5-0. Au village d'Amakna. Bon, bah, j'y vais à pied, fuck. Zap d'Amakna? Pourquoi je vais parler? Non, village d'Amakna. Je
vais à pied. Rien à foutre, wesh, je... Quoi, attends, faut aller voir ta caisse. Bah parce que c'est lui qui nous avait filé la quête. Parce qu'on a mis à jour les sbires du maître. La quête des sbires du maître. Oh tiens, le portail Strambad. Et le prochain donjon est le Bilby Brother, ouais. Ouais. Mais attendez, je suis pas encore à machin. Moi non plus. Ouais. Il est loin, hein. Je le pensais plus près. Il est en 5 maisons plus. Là. Oh non, j'ai pris un niveau, ça veut dire qu'il y a un sort qui a dû bouger. Fais chier. Aïe, putain. Oh, un PNJ qu'on n'a jamais vu et qui s'appelle Keko Prune. Je te déteste. Moi, j'ai jamais vu un perso. Bim. En deux ans. Ah, Bulbim. Ça fait pit. Chut. Et ça fait vroom. J'ai fait Donald Trump quand il aime pas les questions. C'est vrai qu'il fait ça ? C'est vrai ? C'est vraiment pareil. Non, je n'ai pas. Il essaye de parler le fourche-langue. Il parle fourche-langue. Ça y est, je suis à Patakès. Je lui ai parlé. Et on va pouvoir faire Cannibal Brother. Cannibal et Bill, on le fera après. Je pense qu'on aura peut-être le temps, en fait, de finir avec. Je sais pas. Ça dépend combien de temps on met pour faire le Bill Big. Ça devrait aller, non? Bah oui, je pense. Ouais, pareil. Quelqu'un va TP? T'es pas parti pour? Non. Et allez. Non, y aller, y aller. Yaru, yaru. C'est où? C'est O, R ou... O, hein? C'est tout en bas. Ouais, pendant là, moi j'y vais. O, R, terre. Feu. Mais non, après c'est brûlé. Oh non, encore, hein. Pas encore. On a déjà parlé la semaine dernière de lui. Ne m'appelez plus jamais France. Oh, putain. France, elle m'a laissé tomber. Voilà. J'ai pas la rêve. C'est Michel pas la rêve. Oh putain, fallait que je te le dise, Thomas. Jean-Pierre Polnareff, dernièrement sur Twitter, oh, a posté un gif de Jean-Pierre Polnareff. Jean-Pierre Polnareff. Oui, Jean-Pierre Polnareff. Non, ça te... Il s'est posté. Mais non. De Jojo. Ah. C'est encore. Mais non, plus c'est fort. Vrai. Ben non, je te dis ça pour déconner. Je suis comme on suit quand même. Hein. Je fais des blagues et tout. Ouais, mais elles sont nulles. Ah, okay. Les tiennes ne sont pas mieux. Ben, c'est pas forcément les miennes. Maintenant, j'ai deux catégories. Les blagues du niveau de tout le monde qui sont pourries et les blagues d'un niveau un peu plus élevé qui sont plus intéressantes. Eh ben vas-y, balance une blague élevée, on va voir ce que ça donne. Ben, j'espère que tu vas pas tomber de haut alors. Ben, je suis grand, alors, hein, donc je tombe de pas très haut. Enfin, je crois... Blague élevée, tomber de haut. Oui, j'ai compris, merci. D'accord. J'en peux plus. C'est jamais, hein. Eh oui. Alors, quel est le comble pour Balzac? Bah, faut pas mettre trop de temps à répondre, hein. Les temps forts, c'est que une minute. Hein. Oui, c'est vrai. De se sentir honoré, j'en sais rien. Oh, ça aurait été intéressant, ça. Non, non, c'est pas mal, mais non, c'est pas ça. Non, le comble pour Balzac, c'est la partie supérieure de la maison située sous la toiture et constituée de la charpente et donc de la couverture qu'il va te décrire dans les moindres détails pendant 120 pages. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Voilà. Non, non, je l'aime bien. Je suis d'accord. Ça me va.
Allez, je téléporte tout le monde avant de... Non, c'est chouette. C'est pas mal. Allez, on parle à Ituric. Barbe. C'est un peu le jeu de mots, je crois. Il est où? Ben là, à côté de l'échelle. Entre l'échelle et le prisme. J'aime bien cette fleur là. Ouais, j'aime bien. Ah, les c'est juste du décor, moi. Moi j'aime bien les monstres ici. Moi, oh, cette map, quel enfer. Il y a du riz là-haut. J'y fais. C'est pour ça que j'ai fait. Du riz gratuit. J'ai une map de Tower Defense. Tellement. Allez-y, vous pouvez lancer. J'ai fini avec le riz. Très marécageux. Ouais, un petit peu. Mais avant, c'était. Non, c'était des couleuvres avant ici, non? Oh, génial. Oh, merde. Oui, génial. Ça va, elles sont mignonnes. Elles sont mignonnes. Elles font pas. Elles se rendent invisibles. Voilà. Donc en plus, tu les vois pas, donc tant mieux. C'est pire. Mais non, tu les vois pas. Mais du coup, on peut les sentir et ça fait des frissons et j'aime pas mais ça. Mais non, putain. Pour ce jeu, elles vont rien te faire, promis. Je m'en fous. Et elles sont cool parce que c'est C2OL. Ouais, couleuvre. C'est C2OL. D'accord, ok. Et c'est des chefs-d'œuvre aussi? Oui, aussi. Et puis ici, avant dehors, c'est des hors-d'œuvre. Ah, j'ai envie de vomir. The fuck. Raison de plus pour devenir végétarien, toi. Je sais pas si je pourrais devenir vegan, moi. Alors attention, vegan, végétalien, végétarien, oui, c'est pas pareil. Oui, bon. J'ai tellement envie de poser une cavotte derrière moi. Vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais c'est trop l'enfer, ce cas, sans déconner. C'est dans le thème, de toute façon, les carottes, là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Il aurait pu aller derrière moi, je sais pas. Bon, on veut pas. Bah non, tu vas poser une carotte. Et bis. Chet, Thomas, chet. T'as lui te met un arbre. Chez l'arbre, chez. Quel enfoiré, quoi. Tu peux pas les attirer encore? Ah ah ah, non. T'es chiant. Tape-moi, ça va augmenter ma PO. Non, je peux par contre augmenter vos PM. Voilà. Eux, ils ont de la PO par contre. Ah oui, eux, ils s'en foutent. Hein, c'est... Qu'est-ce que vous appelez PO? La portée. C'est la portée. Juste portée. Oui, genre par exemple, toi, ton sort de bluff, il fait 3 PO. Oui, ok, d'accord. Non, parce que pour c'est 3 le PO. P, je l'avais, mais c'était le O que je comprenais pas. C'est pour après, ça. Dans portée, après le P, il y a un O. Oui, oui, mais bon, je... Putain. Mais pourquoi tu recules? Ah, tu m'as fait peur. Je dis, mais merde, en plus il recule maintenant. Tu fonces droit dans l'arbre. Invoque ton chaton, il tapera l'arbre. Ah, c'est pas faux. Et après, il te bloquera. C'est vrai aussi. Il faut quand même tuer en premier le truc bizarre là devant vous. Hein. T'inquiète, c'est non, une arachnawa. Et c'est en non, parce que tu es en dernier là. En diagonale. Ah, en dernier, pardon. J'avais... Ok. On t'en veut pas, Jake. Un petit peu. Un petit peu. Fais l'IB. Mais qu'est-ce que je fais d'après toi, là? Je peine. Pour les blagues, maintenant, j'ai un assistant. Hein. Ah. Te mets pas derrière lui, sinon s'il fait l'IB, il va te repousser. Je vais pas faire l'IB. Il me fait peur. Attends, parce que de toute façon... Et j'aurais fait cabriole. Oui, moi aussi. Ou un truc. Ah putain, je peux pas le refaire. Ah, oh, ça craint ce jeu vidéo. Ah, les roses multiples. Ah merde, j'ai même pas réouvert la fenêtre Twitch en cas si on nous parle. On nous a pas parlé. On nous a pas parlé. J'ai mal. Monsieur Jacques. C'est moi. Est-ce que vous vous lèverez pendant le donjon ou après le donjon? Je suis déjà en train de m'étirer. D'accord. Ok, ça me va.
Je me suis dit, ça fait pour la justification pour ceux qui suivent, je me suis bloqué le dos. Parce qu'on est vieux. Du moins, pas pour certains. Un seul, en fait. Il n'y a qu'un seul jeune. C'est bon, on a encore le même âge. Hein. Oui, on a encore le même âge. Ok, c'est bon. Jusqu'en juin, on a encore le même âge. Ah, vite. Et non. Et oui. Mais fais l'IB. C'est où? C'est là. Le sort orange avec le Wi-Fi. Voilà, et avance-toi. Et là, je peux plus m'avancer. J'ai déjà utilisé mon bon du fer. Ah, bon, bah, attends. Ah, t'as déjà plus de PM. Ok. Voilà. Il se bloque. Oh, je me suis dit, il va se remettre devant. Genre l'enfoiré de base, quoi. Ouais, bah, je m'occupe du. Ah, mais il a des résistances R de fou, lui. Ah, ouais. Ouais, bah, pas lui. Démerdez-vous. Non, bah, lui, vas-y. Putain, bah, je vais tuer ça, moi. Ah. Je peux pas l'attirer, lui, ou lui faire. Yes. Tu peux bouger pour que je puisse le toucher aussi. Oui, il va bouger, t'inquiète pas. Ou alors il va le tuer à coup de flamiche. Ou avec son épée dansante. Vorace, pardon. Mais c'est bien l'épée dansante. Allez, 100% neutre. De résistance neutre. Regarde, moi je le tue en faisant... Ah, ouais, d'accord. Oh, on a libéré Guillaume. Il va pouvoir bouger. Pourquoi j'ai perdu autant de vie, moi? Because. The Arachnawa. Vous avez un nouveau message. Parlez-nous. Oui, parlez-nous. Je ne sais plus pourquoi vous aimez, ni pourquoi continuer. Michel trouve la ref. Alors? Alors là. Parle-moi. Oui, parle-moi. Je ne sais plus pourquoi t'aimer. Ah là là, je l'ai pas, je suis désolé. Ah, c'est Isabelle Boulay. D'accord, c'est bien pour ça que je ne l'avais pas. Putain, mais je sais même pas que c'est Isabelle Boulay. Et après, la map, elle est nulle. Encore. Mais toutes les maps de ce donjon sont pas folles, hein, sans déconner. C'est ça, ouais. En plus, il y a niveau des corps, courir très vite. Mais... Et t'as pas vu la suite. Plus détaillé. Oui, c'est vrai que peut-être pas tous les donjons de Pandala, mais je trouve que Pandala, en général, c'est une région qui est vachement bien détaillée, sauf quand ils foutent la pluie et que ça fait tout laguer. Parce qu'ils vont faire une refonte de Pandala cet été. Mais c'est enfin, je trouve ça un peu bizarre, parce que je trouve qu'elle est vachement bien. Et ouais, mais c'est l'une des rares zones qui n'a pas eu une seule refonte depuis le passage en 2.0, en fait. Draken, il avait la référence. Oui, c'est vrai que c'est un mal bougé, mais... Il est pas en 2.0, hein. Il est pas en 2.0, Pandala, non. Pandala, non, c'est encore les décors de 1.29. Ah, c'est pour ça que je trouvais ça beau. Mais qu'est-ce qu'il est con. Je suppose que c'est fait exprès, donc je vais rester là. Mais dis-toi, Hardy, t'as 1.29, elle va passer à 1.30 et quelques. Elle est déjà à 1.32. Oui, enfin, elle va encore avoir une image. Chacun son monstre terminé à côté d'un. Donc ah, on bute tout le même tour. Quoi? Quoi? Non, mais Hardy, c'est mort. Oh! Ouais. Allez, tue ton pulpiflore. Mais tape pas terre, y'a des résistances. J'ai rien dit, moi. Par contre, regarde sur ton stream, je sais pas, c'est bizarre, mais pourquoi c'est vert? Pourquoi c'est vert? Bah, ton écran est vert, jaune. Le jeu est comme ça. C'est le mode tactique. Ah ben moi il est gris. Ben parce que moi c'est le mode tactique. Va dans les options. Évoluer. C'est où déjà? Je sais pas, mais c'est il y a deux modes tactiques. T'as celui-là oui, et t'as le gris. Donc le mieux. Je joue.
Allez, mais merde! Meurs! Easy. Blitzkrieg. Combat. Ah, c'est ça, tu vas dans options, fonctionnalité. Ouais. Combat. Ouais. Et l'avant-dernier, c'est utiliser le mode tactique coloré. Je l'ai... Il est activé? Tu viens de le faire là? Non. Bizarre. Parce que je suis un privilégié de Dofus, j'ai 7000 heures dessus. Oh, je suis con moi! Bon, c'est pas grave. Si ouais, c'est à moi de jouer, ben non, pas du tout. Tu le vois où, ça, là, le truc où t'as 7000 heures? Je sais pas. Alors, il faut aller sur le... Sur le site Dofus. Oui. Tu te connectes avec ton compte. Oui, c'est bon. On a gagné. C'est sur mon téléphone. Putain, c'est, map, c'est de la merde encore. Attendez, lancez pas le combat. Non. Il est où le combat? Je sais même pas. Je regarde pas. J'ai entendu le téléphone, donc tu vas cracher. Allez, c'est merci ça, de nous avoir suivi, putain. Tu peux pas passer en 4G vite fait? Avant que ça saute? Non, mais ça... non, non. Ça va sauter s'il passe en 4G. Non, non, dès que j'ai une perte internet, ça... T'es à Quinte, là? Il n'y a pas la fibre? Non. Si. Ah. T'es sur le site d'Office, toi? Tu oui, j'attends depuis tout à l'heure. En haut à droite, tu cliques sur ton... Sur ton oui. Bon, et tu vas dans gestion de compte. Et... Oh putain. Là, en haut à droite, tu cliques sur jeu et... Dofus. Oui. Et là, t'as ton temps cumulé. Waouh. 2005 heures. Attends, j'arrive, faut que je sorte mon authentificateur, putain. Ils font chier avec ça. Donc tu vas dans... J'ai oublié. Tu vas sur le site Dofus, oui, tu c'est te fait, connectes. C'est fait, ça, c'est bon. En haut à droite, tu cliques sur gestion de compte. Oui, ça s'est fait aussi. Et après, tu vas en haut à droite, tu cliques sur jeu. Ah, c'est ça. Dofus. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai 4000. C'est pas mal. 4000 heures sur Dofus. Oh là là. Bon, depuis la création. Beaucoup. Depuis quelle date? C'est écrit ça? Non, bah t'as tant d'abonnements cumulés, je pense. Bah tant d'abonnements cumulés, 4 années, 8 mois et 12 jours. Où est-ce que tu vois l'heure exactement? Parce que moi je vois date d'expiration, tant d'abonnements restants et cumulés et c'est tout. Tant de jeux cumulés. Tu l'es pas? Ah, peut-être parce que ton compte est trop récent. Peut-être. Je sais pas. Ouais. Mais juste en dessous il y a écrit, juste en dessous, il y a écrit vous ne vous êtes pas encore connecté au jeu. Bizarre. Je pense que c'est parce que ton compte est trop récent. Peut-être. D'où, quand je clique sur Wakfu, j'ai un personnage qui s'appelle Imajiro Zobal, femelle. Depuis quand t'as fait une fille? Ben, attends, je sais moi pas. Aussi, depuis quand j'ai fait une... Mais tous les persos sont en femelle, ok, c'est des débiles. Moi, j'ai aucun perso sur Wakfu, la statue en son abonné. Mais... Comme quoi oh. Ah si, mes personnages. Non, sur Dofus, c'est mal. Ouais, ouais, et là, c'est et que là. Des femelles, alors que moi, j'avais fait quand que des j'étais mecs. Niveau 107. Oh putain, j'avais fait Yakitok. Niveau 123. Sur Wakfu, mais j'étais 112. Tiens. Oh, sinon, on joue. Ouais. Oui. Alors, c'est une map spéciale, c'est que 2 par 2. D'accord, comment et après, on doit laver les chaussures. J'en étais sûr. J'en étais sûr, hein. Moi, j'étais parti sur Franklin, j'étais pas le seul. Bon, allez, Jake, viens avec moi. Bon, allez, vas-y, dépêche-toi. Tu feras gaffe, il y a une couleuvre. Bah ça va, elle est mignonne. Ouais. Mais c'est vrai. Mmh. Elle fait pas de bruit, normalement. Mmh. Elle sera invisible.
On en a déjà croisé des créatures comme ça, je crois. Toutes les attaques doivent... Ah bah génial. Oh non, on fait pas le châle. Oh mon dieu, imprévisible. Ah, vous aussi, vous l'avez eu. Oh mais c'est trop chiant, imprévisible. Bon, on a Nomade à côté, tant mieux. Mais... Nous, c'est intouchable. Oh putain. La vie qu'elle a. Elle a, oui, elle a beaucoup de vie, ouais. Merci. Génial. Mais imprévisible, c'est forcément sur la sur tous un personnage tours, ça va visible. Ah oh, putain, elle est devant moi. C'est forcément sur un personnage visible ou pas? Non, non, je crois pas, non. Mais là, on voit pas la cible. Ben oui, vu qu'elle est invisible. Mais oui, mais. Ben du coup, si elle est devant toi, je peux la toucher, non? Le challenge, il va pas, ouais, te mais... dire, hé, regarde, le monstre invisible, il est là. Oui, c'est vrai. Bon, putain. Ah, la couleuvre est devant moi. Ah, elle est devant moi aussi. Sérieux? Ouais. Oh, la vache! C'est quoi ces dégâts? Ah, mais elle a 200, oh, moins de... elle a moins de 200 de résistance partout. On est cons, nous aussi. Et regardez, je fais beaucoup de dégâts. Si votre fils est un peu con, faites-en un balai. Pauvre Jake, il a fait tout le tour pour rien. Oh merde, elle est où? Ouais. Oh non, elle est où? Je l'ai perdu. Putain, mais j'ai chié le... Elle est là. Elle était pas là. Oh putain. Elle est là. Combien? Non. 9, ok. Je t'ai entendu laguer, c'est pas mon signe. Ouais. Non, moi ça va de mon côté. Ah. Bon, elle est où là? Ah, oh. Elle était pas si loin. Reviens ici. Mais la... Coquine. Coquine. Paf. Paf. Pastèque. Oh non. Oh non. Regarde, je veux... Échec. Aïe. J'aime bien Prévisible qui nous dit, regarde, il faut tuer ça là. C'est la seule dispo, évidemment. Cono. Oh, puis elle va ramasser là. Tu crois? Ah, je pense. Ouais, ouais. C'est bien, ouais. Moins 7. Putain, mais c'est vraiment une connasse, quoi. Je la déteste. Waouh. On a gagné et on a fait un tchal. Waouh. On est vraiment les meilleurs, hein, Thomas. On est plus fort. Allez, c'est parti. Ouais, go. Ah, encore une couleur. Bulbig. Bulbig, le lier big. Y'a pas un qui s'appelle comme ça? De quoi? Lier big. Lier big. Mais non. Comment il s'appelle, l'archimonstre du Bulbig? Ça s'appelle... Ah, il est où le Bulbig? Bulgig le danseur. Ah. C'est nul. Aïe. Ah, le bulbuisson, c'est un enfer, hein. Il y a quelqu'un qui mange un gâteau. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est ton main. Quelqu'un qui me dit, ouais. Ah, Zemmour est en top tweet. Oui, c'est normal. Ah bon? Il s'est fait agresser. Oui, c'est normal. Ah bon? Oui. Mais ça veut dire qu'il est sorti.
Oui, bah, il c'est un, comme tout le monde, il fait ses courses. Il s'est fait agresser alors qu'il portait ses courses sous la pluie. Bah, agresser, c'est un grand mot. Hein. Bah là, tu vois, pour une fois, je vais pas dire du mal de lui, je trouve ça dégueulasse, quoi. Oui, non, mais c'est enfin, autant je ne déteste et j'exècre vraiment cette personne, autant vraiment porter une agression, qu'elle soit verbale ou physique, je trouve ouais. ça complètement con. Quoi. C'est ta droit de pas être d'accord avec ce qu'il dit, parce que bon, bah, c'est un peu. Alors, en même temps, voilà. Oui, enfin, on a dit qu'on parlait pas politique, là, je parle humainement parlant. Ah, mais c'est même plus une question de politique, là. Bon, enfin, quand même. Bah, c'est une question de racisme, de discrimination, d'antisémitisme, de misogynie, c'est d'homophobie. Oui, mais tout ça. Malheureusement, on le sait. Mais après, non, non, envers en agression, entre guillemets. Ouais. Bon, ça reste une agression, j'arrête les guillemets. C'est, il s'est fait insulter verbalement assez méchamment et il s'est fait cracher dessus. Voilà. Oui. Tout à fait. Mais la personne ne portait pas le Covid. Ah ben, encore heureux. Non, mais je préfère le préciser. Ah non, non, mais encore heureux, parce que moi, il y a un taré au boulot de ma mère qui faisait chier ma sœur et qui limite lui a craché dessus, quoi. Enfin bon, tous des tarés, de toute façon. De toute façon, on va tous mourir. Ah, mais tu vas pas attraper... Ah, je croyais que je te laissais le... Ok, bon. Le truc dégueulasse. La couleuvre, mais elle était invisible, je savais pas où elle était. Elle était devant toi ? Bah non, pas forcément. Elle bouge après. Ça peut se rendre invisible et après bouger. Ouf. Encore. Ouais, tu peux faire... Ouais, voilà. Voilà. Impec. Non, mais tu pas l'arbre. Qui est trop... Oh, mon tofu. Et mon pâté. Vous avez déjà vu un bon moment, là, avec Yann Colanti C'est le... Je sais plus comment ça s'appelle, le jeu qu'ils font. Au moment, il dit... Moi, je trouve que Éric Zemmour, il a raison quand ils doivent continuer la phrase. Quand il ferme sa gueule. Et la seule vraie bonne raison de taper une femme, c'est... de taper dans sa main. Oh, c'est putain, vrai. Moi, le sang n'avait pas bougé, en fait. C'est pas à tous les niveaux. Oui, c'est uniquement quand il... Attends, mais... Quand il évolue, non ? Bon, rien à bouger. Allez, vite, courez ! On a ouvert la porte. Allez, là-haut. Courez là-haut. Allez, Jake ! Passe. Je suis là. Mais non, passe, mais vite. Mais passe là où je suis, à gauche. Oh. Eh ben, je suis tout seul. Allez, Jake, monte. Voilà. Du riz, ouais, bah, c'est ça rigolo. Du riz, putain. Bon, faut faire quoi quand même? Du riz. Les deux pandas statues lumineux là, ils ont un truc à faire? Non, c'est juste. Ouais, ils agressent. Mais putain, ah, mais. T'es giflé un jour. Le 11 mai, je sors de chez moi, je viens chez toi, Thomas, et je t'en mets une gifle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils agressent. Oh, putain. Oh, putain. Mais qu'il est con. Aïe, aïe. Bon, faut pas finir à côté d'un allié. Ok, donc pas de cercle. Anachorète. Pas de carotte. Et main propre. Ah, et on c'est tue bon, avec les invoques. C'est bon, j'ai des hydroalcooliques. Ben, échappeur. Non, pas de chauffeur propre, fou. C'est... Même propre, c'est tuer avec les invocations. Des invocations, ou des dommages de poussée, ou des poisons, ou des pièges. Bon, en gros, des invocations. Ok, bah, c'est un chat et ouais, peut-être un chauffeur. Non, non, pas le chauffeur. S'il te plaît. Ouais. Tout sauf lui. Oh, du riz. Il y a du riz. Avec le Non. Même si c'est Matsar. Bon.
la course souris, quoi. Allez. Tout ça, c'est à cause de ton volcan, tu vas plus vite. Bah, c'est parce qu'il y avait une pénurie. De riz. Pénurie. Bah, oui. On finit pas à côté d'un allié. Ouais. Oui. Ouais. Mais il y a que deux. Ok. Oui, il y a que deux chemins, oui, ça va être chiant. On fait pas l'échelle ? Non. Ça va être dur. Big Brother, quoi. 2600 PV, quoi. Faut pas rester à côté, hein. T'inquiète, il se rapprochait de toi juste pour te donner un PM en plus. Pour le taper R, Eric, tu vois. Ouais, je vais le démonter, le boss. Après, c'est tuer avec une invocation. On va oui, pouvoir lui faire des dégâts, oui. Coup de bluff et tout ça. Aïe. Ah, il fait un peu mal le buisson. Hein. Oui, peut-être que je me mette du bouclier. Je pense aussi, parce que le temps qu'on arrive, ils vont nous cartoucher la tronche. Là. Mais... Tu l'as fait sur la case à côté. Non, non. Ça marche. Bouge. Vroom, 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 vroom. Oh, mais il en invoque. Putain. Oui. Il est pénible lui aussi. Boum, le bulle bambou. Mais alors, boum. Boum. Big Shaq, you don't know. The thing goes. Papa, papa, papa. Skibiri, papa. The thing goes. Boum. Tu connais pas? Non. Donne. 3 plus 1 égale 4, boum, quick math. Plus 4 is 4, minus 1, that's 3, quick math. C'est insupportable. Ah, il le soigne, là, purée. Mais... La bulbiflore. Quel homme attentionné, ce tournoi. Il y a pas d'ordre, on s'en fout. Faut tuer avec une invoque. Après, tu peux faire des dégâts. C'est tuer, donc je peux quand même mettre 2-3 oui. coups. C'est ça, oui, vas-y. Des dégâts sans les buter. Ouais. Ok, alors je vais me mettre là. Je vais mettre ça. Je vais en tenter un deuxième. Je vais mettre un chat. Oui. Par là, ici, là. Voilà. Attends, il faut pas finir à côté d'un allié. Ouais. Oui, c'est bon. Et le chat, ça compte. Ouais. Faut que j'y pense. Ouais, c'est pas de cercle rouge. Mais si le chat finit de lui-même le à côté... Chat, tu t'en fous. Okay. Le chat, il peut finir où il veut. Ok. Il fait casse qu'il va... Voilà. Je vais le sortir de là-dedans. Attends, ça c'est une invoque ? Non, c'est pas une invoque. Hein ? Je peux. Ah, j'ai mal. Me fait rire tout seul. Tiens-toi droit. Dommage. Elle fait zéro de dégâts cette pièce. Ben, en fait c'est parce qu'elle prend tes carac. Hein. Ben oui je sais. Et comme t'as pas terre, ben tu fais pas de gros. Wow. I love it. Mais Nick. Mais
Mais what? Enfoiré, quoi. Et ma baguette. Est-ce que j'entends un autre? Oui, vas-y, vas-y. T'es large. Ah oui, en effet, oui. Ouais. Arrête. Tierce. Et maintenant, les dommages. Mais arrêtez! Je travaille. J'ai pas envie. Oui! Oh, c'est tout? Oui, mais... Putain, je l'ai oublié, le plus puissant en bas. Tu peux continuer à faiblir le plus puissant, je pense. Hein. Okay, c'est bon. Alors, je vous présente ma famille tofu. Dans le tofu, je voudrais la grand-mère. Je l'ai pas, ça. Le mec, il a partagé la carte de France avec tout, avec des noms genre très tordus, genre Sainte Verge, la Trique, Condom, ah, Sexe. Les, c'est des et, messages. Et un mec, il a dit, j'ai failli acheter un terrain à sucer. Il y a un mec, il répond, et donc t'as trouvé quelque chose à sucer? Pour le pays en nature. Oh. Et ouais, c'est bientôt la fin. Pourquoi personne tue le buisson? Mais je sais pas. Bon, ben je vais mettre mon chapeur fou. Hein. Non! Non! Ah, mais j'ai 100%. Vous savez que grâce aux invoques, on est obligé de faire deux pour le prix d'un? Ben oui, ça va le valider tout donc, seul. Donc en fait, on va gagner beaucoup de l'expérience. Chouette! Ouais! Non, le bulbuisson. Non, non, mais c'est bon, le chaton de Jake va le tuer. Non, je crois pas, non. Il est où mon chaton? Il est à côté. En dessous d'Eric. C'est vrai que orange sur orange, c'est pas évident. Oh purée, il se barre à perpète, quoi. Le chauffeur, c'est vrai. C'est. Non? Non, évite. Hein. Mais c'est de la merde. Dans ce cas, je me mets là. Voilà. C'est tout. Putain. Oui. Tofu doré, c'est tierce. Oh putain, je peux pas. Yeah.
Ça me rappelle quand on essayait de faire popper le piou doré dans le donjon des piou dans Wakanda. Oh l'enfer! Oh c'était l'enfer ça. Ouais. Ok. Bah là, on a juste à passer nos tours jusqu'à ce que le chaton tue le buisson, quoi. Ah, il reste que ça? Ouais. Non, Thomas, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ah. Bah je le pousse. Ok. T'aurais pu le tuer comme ça, ça aurait été épique. Mais non! Oh, chaton! Ah! On a fait de la chance. Ah ouais. Heureusement, hein. Ça fait de l'XP. Et des succès. Pourquoi t'as pas autant d'XP que nous, Guillaume? Barcoudeur. J'en sais foutrement rien. Oh, on a un nouvel ornement. Ouais, baroudeur honorable. Ouais, niveau 73. Il est moche. Oui. Il y a pas du riz. Oh, capture d'âme, ouais. Il en obtient un nouveau sort. Bil bulubu, buba, biba, pa, di, bula, 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 bula. Un muscat. Biba, pa, la, pa, la, pa. Allez, on retourne dans le roi Patakis. Ah, c'est ça, il fallait bien quitter. Oui. Oui, oui. C'est censé être de la pluie, ça? Oui. En fait, avant, il y avait l'animation. C'était super lag. Donc, ils ont enlevé l'animation, mais ils ont laissé des espèces de traits pourris, là. Ah, l'espèce de dégradé? Ouais. À la base, c'est de la pluie. C'était fait exprès dans la végétation. Attends, mais c'est mimigmatique, ça. Sur la... à côté du zap de... À moins de zéro, ta mimique-matique, elle est là. Comment on fait pour avoir le zap du village d'Aquadala? On peut pas. On peut pas, c'est un village d'alignement. Enfin, d'alignement. Oh, chier. Oh, quelque prune. Oh, quelque prune. La première fois que je le vois. M'en fous, moi j'ai vu Chirlo et Dîner, donc vous les avez pas vus. Attends, il y a de l'eau. Oh, le cratère légendaire. De quoi? Encore up. Oui, oui. Mais tant mieux. Il faut. Ça y est, je suis à 2 points partout maintenant. Oh, quelle coprune! C'est drôle! Ah, mon dieu, mais il est moche le sort capture d'âme! De... Genre, bonhomme, il te tire une autre tête. On dirait un bout. Ouais, mais un bout qui tire un peu la gueule, genre. Aïe. On fait quoi alors? On peut faire un donjon cannibale. Ouais, et on finira avec ça alors. Là, je vais TP. Allez, ok. Allez, vas-y. C'est sur quelle partie de la map? L'île de Moon. À droite. Ok. Il demande est-ce que j'ai tous les apps. Normalement oui, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ah, ok. Et vu qu'on a déjà fait des quêtes là-bas, tu l'as. Tu l'as un problème. Tu l'as. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a plein de cloches là depuis 10 minutes. Il y a peut-être un mort. Un mariage, lol. Non, pas un mariage, non. Oui, je sais. Je non, sais jamais. Bien.
Ça ne peut sonner pour les mariages. Confiné, bien sage. La 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 la. C'est ça? C'était Mulan. Hein? Quoi? Ni ni ni. Ni 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 ni. Zibalibapi papouette. C'est au nord, là, avec le crâne. Quoi? Quoi? Non, c'est pas ça. Non, on est là, non. C'est là, là, ici, regarde. Tu parles aux gentils organisateurs. Que... Les gentils. Ok. Tu veux des trousseaux de clés? Oui. Ou une clé. On a déjà fait ça, non? Oui, non, oui, on a déjà fait vraiment. Celui-là. Ça se drop encore des clés sur les mobs? Non. Faut forcément les créer. Oui. Ah. On est là? Non. Je vous suis. Et toi, on est là? Non. Et en fait, si j'ai menti. Bon, bah personne n'y va. Ouais. Le balai qui est total. J'aime beaucoup les raviolis. On n'avait pas chié des châles sur. Si, 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 si. Des succès, on avait chié des succès sur. Je pense. Ah oui, c'est sûr et certain, je vois en tête. Je crois que c'était ma faute. Genre, je crois qu'on a à ne pas finir à côté d'un allié et j'avais complètement chié le truc. Je sais plus. Boum, boum, boum. Petit tambour là. Ouais, de souvenir, je crois qu'en plus j'en avais fait un clip. Oui, avec clip. Je les ouais, aime tellement. C'est les meilleurs. Ah. Il y a un truc spécifique en restriction ou... Ouais. Non, fais-toi plaisir. Non, non, non. Caniboulette. Allo, wesh, on déconne, oh wesh. On déconne, non, non. C'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, non, non. Génération, non, non. Prochainement. C'est seulement... Mais c'est qui a pris les dégâts? C'est Imagiro. Merde! Faut tuer Imagiro? Hmm? Non? Je sais pas, compris, excuse-moi. C'est... Ça, s'il a dit, ça veut dire qu'il faut attaquer Imagiro? Non, c'est juste que le caniboulette a renvoyé les dégâts sur Imagiro. Hein? Oh merde, je le retouche. Désolé. Mais c'est le boulette, il fait ça. C'est tous les dégâts qu'il prend, en fait, il les renvoie sur toi. Enfin, il cible quelqu'un, et en l'occurrence, c'est toi. Est-ce que c'est beaucoup plus précis? Pardon? Je remets mon micro. Si tu tapes le caniboulette, il va te ramasser les dents. Ah. Oh, bah, oui, parce que sinon, bah, tu vas te renvoyer tes dégâts dans la tronche. Après, tu fais ce que tu veux, mais... Là, il aura plus l'éternuement collatéral. À tes souhaits. C'est bon. Ah. Ouais. Attends, ils ont combien de vie? 7 et 28. Voilà, tu fais ça. C'est très très bien. Touf. Madame Bor. Je sais pas pourquoi. Ça remonte à très loin, ça, Madame Bor. Ça me dit un truc. Est-ce que j'aime le Kabeku? Oui, j'aime le Kabeku. C'est bon, le Kabeku.
Madame Bors, c'est bizarre que ça te dise quelque chose parce que c'était le nom de notre conseillère au collège. Non, en tête, j'avais la méchante dans Bernard et Bianca. Je sais pas pourquoi. Non, elle, elle s'appelle... Ah, putain. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle... Et Google, c'est qui la méchante dans Bernard et Bianca? Madame Médusa. On l'entend pas, c'est dommage. Il y a du monde. Aïe. Eh, il fait chier ce caniveau là. Bah il meurt là, non? Non. Il faut passer jusqu'à ce que ça soit son tour. Sinon, si tu le tapes, ben, ça va taper Thomas. Ah, c'est pour ça qu'il y a le cœur barré? Non, ça c'est parce qu'il est insoignable. Non. Ça en fait, c'est... Ah, les dégâts de poussée, ça passe. Ah, oh, cool, des masques, on va pouvoir compléter des quêtes. Et puis bientôt, on pourra retourner sur l'île des Wabbits. Tant de masques et dire que le personnel soignant manque. C'est vrai. J'ai cherché mes masques d'ailleurs lundi, moi. J'ai reçu le mail d'Intermarché pour dire « C'est bon, on vous les a réservés. » Ah, c'est cool. Et comme je vais pas forcément en avoir l'utilité, que je considère vraiment que le personnel soignant en a besoin, bah, je vais aller les apporter au personnel soignant. C'est cool, ça. Bah, attends, les masques chirurgicaux, ils en manquent, et sans commerciaux, ils vont en vendre des millions, c'est honteux. Oui. Je suis d'accord. C'est vraiment le gros bullshit, hein, cette situation. Ah, mais complètement. Hein. Ok, je vais me procurer un vrai masque en tissu pour moi, mais juste du tissu que, voilà, que tout le monde peut avoir. Mais les masques chirurgicaux, comme il y a le nom, c'est chirurgical. Donc on n'a pas à en avoir, nous. Ouais. C'est mon avis. Après, non, chacun aura son propre avis. Mais... Scapitula bolubolibau. Je suis le Scatman. Puis après, il y a Donald Trump qui essaye de chanter dessus. Ah bon? Bah oui. Quel con. Bon, faudra qu'on joue à la rune ratée. Hein. Ouais, comme deux runes parées. J'ai un deck à te présenter. J'ai cru lire ça, oui. Mais s'il sort bien, c'est un enfer, c'est incroyable. Alors, bon, remise en contexte, on parle du jeu de cartes de League of Legends, où, sur lequel Yakipon a fait un deck avec Teemo, donc les champignons dégueulasses et empoisonnants. Alors attends, je referme la parenthèse, je pourrais ouvrir plus tard. Est-ce qu'il faut faire un truc en particulier avec eux? Non. Les taper. Ok. Ok, donc rouvrir la parenthèse. Comment tu as fait pour terminer ton deck Teemo? En fait, tu as crafté ton deck, c'est ça? À moitié. En fait, j'ai vu dans les récompenses de la sortie du jeu, là. Oui, de cette semaine, donc. Oui. J'ai vu qu'il y avait deux cartes, genre assez balèzes, qui finissaient dans mon deck Teemo. C'est pour ça que j'ai attendu avant de le faire. D'accord, ok. Donc j'avais trois cartes, en plus c'est des grosses, hein, genre il y en a une à 9 et il y en a une à... Il y en a deux à 7, donc... Ok. Des cartes assez chères. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que j'aurais pu continuer mon expérience à Piltover et Zone pour essayer d'avoir un Teemo, mais tant pis, j'ai craqué mes jokers. Hein? Ouais. Comme ça, moi j'ai tous mes Teemo. Ok. Par contre, si je veux faire d'autres decks, ça va être l'enfer. Si je veux des champions particuliers, quoi. Oui. Donc il va falloir. Après, je trouve. Alors, le jeu est quand même beaucoup plus compétitif et de réflexion par rapport à Hearthstone. Ouais. Mais par contre, je trouve que c'est plus simple de faire les decks que t'as vraiment envie. Ils sont peut-être plus difficiles à jouer. Ouais.
plus difficile à prendre en main, mais par contre, quand tu veux vraiment une carte, tu as plus les moyens de pouvoir te crafter les cartes que Star of Stone, je trouve, par rapport à la monnaie, l'essence, je sais pas quoi, qui t'est reversée. Après, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'ils veulent peut-être, pas forcer ouais. les gens à jouer, mais... C'est vrai. Je sais pas. Mais je veux pas faire lui, moi. Chier, quoi. Je vais faire un petit, pas un gros tofu. Mais ouais, là... On va dire... Bah, c'est con, parce qu'on dirait vraiment une extension, quoi, Beachwater, mais... Alors que c'est juste le jeu de base qui sort. Mais ça, c'est vrai que c'est un mot qu'ils n'auraient pas dû utiliser, extension. Je trouve que c'est une erreur de leur part. Je vois pas en quoi ça peut être une extension pour le moment. Eh non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, refais-le, vas-y. Et putain ! Et pourquoi tu m'as dit de le refaire ? Parce que c'était drôle. Parce que tu fais pas attention à ce que tu fais. Le château, il est intelligent, lui. Mais il est pénible, hein, sans déconner, lui. Et le chaton va me bloquer. Ouais. Attends, est-ce que je peux faire un vol à la place du chaton ? Non, faut que ce soit une de mes invoques. Ok. Meurs ! Je me pousse. Et pas du tout. Ouais, c'est bizarre. En fait, il passe de la 0.9.4 à la 1.0. Et il te mais dit, ça ah, encore, c'est d'accord. Mais non. Ouais, voilà. Ça. C'est juste le jeu de base qui sort, certes, avec beaucoup plus de persos, mais. Mais même dans le sens même d'extension, c'est quelque chose qui doit être beaucoup plus thématisé. Là, ok, ouais. ils nous ont mis 2-3 trucs liés à Beachwater, mais ils ont quand même pas mal complété tout le reste de ce qu'il y avait avant sur les autres zones. Donc, on peut pas appeler ça une extension. Bon, c'est pas grave, c'est fait, mais. Oui, bon après, de toute façon, ils se cherchent encore. Ne serait-ce qu'au début de la bêta, l'interface du jeu était dégueulasse as fuck, c'était vraiment moche, on aurait dit, bon, j'exagère, je vais dire du paint, mais non, quand même pas. Mais là, l'interface de Runeterra aujourd'hui est quand même très jolie. Ouais, c'est vrai, j'aime bien. Puis tous les dessins, ils ont pas fait juste du recyclage de League of Legends, quoi, ils auraient pu, sur les skins. Hein. Ouais. Mais non, ils ont vraiment refait tous les dessins, c'est vrai que c'est joli. Ouais. Par contre, la cinématique de Miss Fortune est vraiment nulle. Hein. J'ai pas aimé. Ouais. Toutes les autres cinématiques, aucun problème, sur même les autres comptes. Mais alors, Miss Fortune, on la trouve. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est naïve en fait. Ouais, alors qu'elle l'est pas, quoi. Ah non, pas du tout. C'est une dame qui. Une dame, c'est une femme qui a vraiment un caractère fort, quoi. Et là, non, là, pour moi, elle était limite nunuche. Après, est-ce qu'elle jouait la nunuche ? Personne ne le saura. Donc là, pareil, c'est on tape. Ouais, y'a rien à faire. Ok, c'est un tigre. C'est un cri sauvage. Un cri sauvage. Bon, pour compenser la blague élevée de tout à l'heure. Non. C'est bon. Oui, donc pour compenser la blague. Intelligente, entre guillemets, de tout à l'heure, vous voulez une blague nulle ? Je sais pas. Moi, j'étais bien sur la blague intelligente. Elle était bien, en fait. Non, mais vas-y, hein, si t'as une autre blague. Ouais, attends, je prends, fais ça. Qu'elle soit nulle ou bien, on jugera. Ok. Financier. La crème brûlée. Quoi ? Voilà. Quoi ? Quoi ? Quel est le dessert préféré de qui ? Des pompiers. J'ai entendu des banquiers. Et du coup, banquier, financier, pompier, crème brûlée, oui, c'est logique. Ah, maintenant, les blagues nulles, je me fais plus chier. J'ai un bouton à appuyer. Hein.
Un bouton ou juste une commande à passer? Non, un bouton. C'est plus simple. C'est l'application Blague Nul. Non, c'est l'assistant Google. C'est très drôle. J'adore l'humour. J'adore rire. I love refrigerators. Ah ben là, tu vois, ta map, elle est pas verte. Elle est vert clair. Elle est pas grise là, elle est verte claire. Ouais, mais vert déjà, jaune. Elle est verte claire. Oui, elle est plus verte que ça. Label for an hour. Je me suis placé comme si je jouais mon éca, mais quel abruti. Oh le boulet! Je me suis mis en diagonale pour faire esprit félin, quoi. Oh le con! Non, mais même avec flux, ça change pas. F.lux. Je comprends pas la glyphe qui pose, mon tofu doré. La glyphe, le glyphe, je sais pas. Non, c'est un glyphe. Je vais regarder sur l'internet. Glyphe. Mais en même temps, regarde ce que ça fait. De quoi? Mais je sais pas. En même temps, regarde ce que ça fait. Mais je peux pas. Pourquoi? Un glyphe est une représentation graphique d'un signe typographique. Quoi? On est sûr que c'est un glyphe? Oui, c'est un glyphe. Ok. Mais meurs! Oh là là, la barbe! Dans ma barbe, qui est le barbe? Il t'a fait un bruit, lui? Oh, mais on est qu'à la quatrième salle, putain, quand on se traîne! Chiant ce donjon. Il l'a dit. Il n'a aucun intérêt. Le pire du monde, quoi. Quoi? Non, le bruit qu'il a fait. T'es que t'es. Non. Quoi? Non. Parce qu'après ça reste en tête. Ok. Si vous mettez des trucs en tête, j'en ai plein à vous refiler. Hein. Allez. Non. Finir son tour sur la même case. Oh là, oh, beau qu'il a. Désolé. Hop. Si je mets mon contre-coup, donc mon bouclier sur moi, est-ce que ça va se cumuler avec le bouclier qui m'a juré de me mettre? Oui. Ok. Mais je crois que ton bouclier peut pas dépasser ton nombre de points de vie maximum. Oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'il y a une histoire du genre. Tu peux pas avoir plus de boucliers que de PV. De PV max. Oui, de PV max. Oui, de PV max. Un nombre de PV max, genre 9999. Non, tu peux dépasser les 10 000, je pense. Blip.
3, 4. J'ai une vraie question. Oui. Oh, quatrième. Je m'en suis rendu compte en faisant les temps forts. Soyons honnêtes. Pourquoi, en vrai, les gens demandent sur quel serveur on joue? Parce que peut-être que eux ils sont déjà sur un serveur et pour savoir s'ils peuvent jouer avec nous. Moi, ouais, je sais pas. Bah, sincèrement, enfin, en réagissant au premier degré comme ça, c'est la première question que je poserais sur n'importe qui, enfin, même sur WoW en fait, c'est la première question que je pose. Ah, tu joues à WoW sur quel serveur? Enfin, voilà, c'est. Ah ouais. Je sais pas. Champion. On est tous ensemble. Tu sais qui c'est qui chantait ça? Oui. Mais voilà. J'ai oublié l'idée. Non mais je le sais. Ah voilà, c'est ça. Pourquoi chante ça? C'est pas parce qu'il vient de dire on est champion? Si. Salaud Thomas. T'as la chanson en tête? Non. Ah. Aïe. C'était pas le bon. Fuck. Mais il va où? Ouh. Doudou. Flamme de loup. Putain. 7 points de vie. J'ai tout fait. Hein. Comment il se répète. Bon alors. Quels sont les fait. Succès? Bah non, on a tout fait. T'es sûr? Oui, oui. Il nous reste juste duo et idole. Ah ouais. On peut, juste pour le fun, on peut les retenter. Hein. Non. Ici. Après, on peut faire des challenges, mais on va pas faire les succès. Tu veux pas faire duo? Ben je sais pas. En fait j'y réfléchis, je sais pas si on y arrive à deux. Genre. Ça peut être chaud quand même. Ouais, c'est pour ça. Après, t'as pas celui qui renvoie les dégâts, donc je sais pas. Je sais pas si là, à notre niveau, duo, c'est possible. Mm. Bon tant pis. Bon, on verra une autre fois. Oui. Si on continue là-dessus. Allez hop. Ah oui, c'était zombie. Les personnages doivent essayer. Ok. Utiliser un point de mouvement. On va peut-être pas le faire. Ouais. Voilà, il a décidé que non. Je l'aime bien lui avec son petit tam tam. Aïe aïe aïe. Sachant que je pense que nous allons couper après le donjon, est-ce que vous avez des choses à dire? J'ai envie d'une pizza. Parce que t'as entendu qu'on a mangé ce soir? Ah non, encore? Pas encore? La dernière fois c'était pizza. Parce qu'il avait eu la flemme. Là il les fait maison. Oh. C'est pas pareil. Nous c'était burger maison hier. Burger, pardon. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a mangé hier soir? Ah, salade fraîche. Non, des œufs cocottes. Et de la salade. Ouh. Ouais, fancy. Bah, c'est bon. Ah, mais oui. J'en suis très content. Hmm.
Tiens, mais ils se soignent tous entre eux, quoi. C'est ça. Les insupportables. Quatrième européen. Tu es quatrième européen ? Avec les gens avec qui j'ai joué. Sur Spoon. Là, qu'est-ce qui se passe? Il gagne de la vie? Hein? J'ai tapé, il gagne de la vie. Oui, ils se soignent tous entre eux. Oh. Mais c'est à cause de la poupée S3, ça, non? Je sais pas. Yuga! Jake. Je sais pas. Ah putain, j'ai pas la vision. Si. Ça fait presque les bratis de la boys. Da bur, da bur gagne. Ah, il est content. Il est content. J'adore les monstres qui mettent des icônes, quoi. Mais sérieusement, ça sort d'où? C'est le jeu. C'est comme ça. Parfois, t'as des monstres qui lâchent des icônes parce qu'ils t'ont tué ou... Ouais. Je trouve ça très drôle. Moi, ça me plaît. Alors, réunion de brainstorming importante aujourd'hui, les mecs. On a besoin de mettre un peu de fun dans le jeu. Les monstres, ils sont déjà rigolos. Ils ont des noms à la con. Ils font des bruits à la con. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à la con? Et si on leur donnait l'occasion de faire des smileys? Mais le pire, c'est allez, que c'est génial. On approuve. Oula. Bon, c'est juste une symétrie. L'étonnement est total par le joueur français. À complet. Aïe. Tout ce qui est inutile est indispensable, chien Kama. Ah, sauf bon. De coder le jeu. Oh, mais c'était bien aligné. Quoi? Pourquoi il est pas mort, lui? Deux. Ah, merci. Aïe. Si je me mets là, je vais te gêner. Du coup, je vais me mettre là. Ah, qui sont cons. Meurs. J'ai dit mourir. Un niveau. Ah, mais putain, on mais a j'ai pas... pris 3 niveaux quoi. 3 donjons, 3 niveaux. Vous avez chié le chat au dernier moment. Lequel? Donc de laisser le personnage féminin achever les alliés. Les ah. amis. Il avait qu'à pas faire grave. Une fille lui aussi. Mais non, ça nous permet de faire les challenges justement. Bon, non, parce qu'il te le propose pas si t'es 4 garçons. Ah bon? Oui, oui. Et oui. Il te propose des challenges que t'es possible de faire. Parce que imagine, il te fait arachnophobia tout le temps. Vous devez avoir l'araignée. Ouais, génial. Bon, ben on sort. Et oui, oui. Oui, on va et voir on à l'index. On retourne voir à l'index. Attends, c'est qui lui déjà? À la taverne du village d'Amakna. Taverne d'Amakna, ok. Ouais. Est-ce qu'il y a Mimic
charismatique? Oui. Yes. Elle est là. Je sais pas pourquoi je passe sur cette map, c'est l'enfer. Bon, on va se quitter là-dessus. Et regarde, Thomas, le prochain donjon. Attends. Habite, je suis sûr. C'est ça? Ah, ça doit être ça en plus. Putain, mais j'ai fait tout le tour de la... la putain de taverne, quoi. Ah, le dessert. On va enfin retourner sur son île. Wabit, ok. Ouais. Mon île, c'est Vulcania. Je préfère Vulcania à Wabit. C'est vrai, il y a Carla Jean-Gruy. Tu restes debout sur ton tabouret, alors. Et deux secondes. Plus, ça fait mieux comme ça. Enlève ta monture, Jake. S'agenouiller, ah, c'était mieux. Bon, mais merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Donc, prochain stream, très sûrement, des donjons encore. Fais slash site. Ah, slash... Qu'est-ce que tu fais? Mais il bouge. Attends, slash S-I-T ? Oui. Oui, S-I-T. Voilà. Sachant que je suis en miniature machin là, du coup je. Bah, tu le vois, le vois que sur le retour qui va apparaître dans. Maintenant. Non, merci à tous, à la prochaine. On vous tient au courant de quand on le fait évidemment. Et c'est tout. Ah, peut-être, j'ai bien dit peut-être, qu'il y a autre chose qui va arriver. Voilà. Des sous? Non, malheureusement. Ça, c'est bien connu, ça aurait été bien carré. Bref, le bisou, à plus. Au revoir, à bientôt. Ciao.